qu'on ne travaille pas, on travaille. Mais les balles arrêtées, ce n'est pas en une saison qu'on peut réussir à instaurer une méthode efficace. Les balles arrêtées, ça, on commence à encadrer. C'est dans la formation qu'on met l'accent sur les balles arrêtées. Mais bon, quand à ce niveau, il faut... on travaille les balles arrêtées. Mais bon, vous savez, les marges de progression, avec l'âge, c'est proportionnel. C'est un match qu'on a préparé minutieusement. On savait que c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer et qui a une défense très très solide. Et surtout que nous, on venait d'une défaite. On a dit aux garçons qu'il fallait croire. Je pense que la victoire, on avait de la place pour l'avoir. Ils ont cru, même si ce n'était pas notre objectif d'avoir quand même 4 buts. Ce n'est pas facile de mettre 4 buts contre la meilleure défense. Mais je pense qu'ils ont cru et c'est un mérite. Donc je les félicite pour cela. Mais c'est la preuve encore que c'est une équipe qui a beaucoup de choses à apprendre. Et vous voyez que la semaine passée, on prend 3 buts à 0. Aujourd'hui, on marque 4 buts. Bon, c'est vraiment des trucs à revoir beaucoup. Parce qu'on sent, sent la jeunesse. Il nous faut quelques éléments matures dedans pour pouvoir équilibrer souvent les choses. Je pense que ce soir, on sourit. Mais dans le contenu, il y a beaucoup de choses à faire. Parce qu'il faut, il faut essayer de tout faire pour enchaîner. Les choses qu'on n'arrive pas à faire depuis la phase d'aller. Donc, faire de bons matchs, ensuite de mauvais matchs. Pas facile. Donc notre chantier aujourd'hui c'est de pouvoir enchaîner les matchs et afin de pouvoir avoir un bon classement en fin de championnat.